Donc, Monsieur Bart Ehrman, avec tout le respect que je lui dois, parce que il met des points, il éclaire les gens qui veulent le prendre, qui disent que, en somme, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, il a raison, parce que c'est pas l'entière parole de Dieu, mais moi, je pense que la Bible, c'est la parole de Dieu au travers de l'homme. La parole de Dieu au travers du canal humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a différentes versions. Pourquoi? Parce que il y a différents genres humains. Il y a différents genres humains. Mais le Coran ne peut pas être la suite de la Torah et de l'Évangile, puisqu'il a, il n'a rien à voir avec cette logique. Dieu ne peut pas dire tourner à gauche et puis des siècles après tourner à droite, tout en gardant les anciens livres. Ça voudrait dire, mais il faut tourner à droite ou à gauche? C'est inconcevable. Donc, je le redis encore, parlant aussi que Dieu enverrait un prophète et que ce serait Mohamed, dans Deutéronome 18, il parle parmi vos frères. Et à ce que je sache, je l'ai déjà dit, les Arabes ne sont pas les frères des Juifs, quoi. Donc, il faut arrêter d'extrapoler et de dire n'importe quoi, parce que je dis, ceux qui tiennent de tels propos, franchement, se ridiculisent eux-mêmes. Hein, se ridiculisent eux-mêmes. Donc, bon, maintenant, Bart Ehrman, j'en reviens à lui. Je pense que le tournant dans sa vie, il n'a pas compris la souffrance du monde. Il est devenu agnostique, ça veut dire agnostique, c'est pas athée, c'est quelqu'un qui pense que Dieu est méconnaissable. Donc même avec toute la science qu'il a de la Bible, il est devenu agnostique, il ne prétend pas connaître les secrets de l'univers, disant qu'il tend vers, mais n'aboutit pas. Il cherche constamment. Il préfère, disons aussi, comment on appelle, la connaissance à la foi. Il ne veut pas aussi se laisser enfermer par des doctrines de différentes chapelles confessionnelles, et il a bien raison. La main, c'est ce qu'il faut faire. Quelque chose qui ressort beaucoup chez lui, c'est misquoting, c'est-à-dire des citations inexactes. Voilà. Mais donc, je pense que Monsieur Barthes, là, Herman, s'attache beaucoup à des détails qui ne peuvent pas empêcher, comme je le redis, que beaucoup de prophéties confirment la Bible. Vous voyez aussi que le Christ confirme sa parole aussi. Nous voyons beaucoup de démons chassés. Nous voyons beaucoup de guérison, et la parole, hein, qui est confirmée, il y a le sceau de Dieu. Donc, au-delà de toutes ces petites erreurs de la Bible, je dis petites, la Bible tient la route. C'est le seul livre qui tient la route au niveau prophétie, au niveau de tout, il tient la route. Et il n'y a, je le répète, aucun autre livre qui est comparable. Donc vous pouvez être critique avec la Bible, mais en même temps croire tout ce fil conducteur, tout ce qui nous enseigne. Et bon, ce n'est juste qu'un début, parce que Dieu nous parle aussi dans notre conscience et dans beaucoup de choses. Mais vous pouvez douter un peu de certaines choses dans la Bible, pas de problème, vous pouvez le faire, parce que Dieu nous a pas donné un livre pour dire voilà, c'est ça, puis vous la fermez. Non, Dieu nous donne un droit de regard. Et c'est pour cela qu'il y a eu des livres apocryphes qui ont été retirés du canon biblique, et qu'aujourd'hui on accepte totalement. Maintenant, si vous voulez aller voir les livres de Maccabée et tout ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller pour dire, ouais, ils enlèvent une partie de la parole de Dieu. Si vous pensez que dans les livres des Maccabées, par exemple, Tobie, il y a certaines choses qui viennent de Dieu, quand vous voulez à vous-même, on peut sculpter tous ces versets pour faire vous-même encore un livre. C'est libre à votre conscience. Je pense que Dieu n'est pas figé, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, à vous de jouer, à vous de juger. Dieu aime les gens critiques. Dieu aime les gens critiques, mais pas pour autant pour dire que voilà, ça veut dire que le Coran est juste. Parce que je dis le Coran, ça a rien à voir. On ne veut pas comparer ces choses-là. Comme me disait un curé aussi, quand vous voyez le croissant de la lune qui représente l'islam, ben voyez, c'est ouais, c'est un reflet de un faible reflet de la lumière, puisque on sait bien que la lune reflète la vérité,
Et là, c'est le croissant sombre qui va vers le bas. Donc, c'est dommage de prendre des symboles comme ça, des symboles qui de toute façon, reflètent cet état d'esprit, quoi, hein.